Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices en la canuse, nous avons dit un gros bonjour, bonsoir pour nous tout en vrai porte nous en débattant pour nous capter de nouvelles cap faire actualité dans le pays d'Haïti à travers le monde ou sous channel PIA, channel information qui c'est Zen la canuse avec Tiffany Goffin. Nous check au peuple là et nous là pour nous porter toute information nette cap faire actualité. Yon dit l'autre gars nouvelle là tout bon pas bon dans quatre coins le monde entier, amis téléspectateurs, côté en pile monde te pense c'est président Jovenel Moïse pape joine justice li et constate en pile vagabond assassin qui était assassiné président Jovenel Moïse. Yo pense président Jovenel Moïse pape joine justice li parce que Haïti son pays injustice, eh bien, yote démoli président Jovenel Moïse, eh bien, ça c'est bien pensé, mal calculé, jouet la chaviré, nan men rado calé, et politicien en pays d'Haïti, mélangé avec oligat corrompu si au Libanais, et moun sa qui te mette ensemble avec international là, qui te assassiné président Jovenel Moïse, eh bien, jouet la gâté nan men yo, nan moment ça, que la parlé là, après yo fin arrêté Antonio Palacios, dans le pays Panama, eh bien, jouet là, censé gâter dans le là. Eh bien, là, rebrancher, reconnecter, nous pouvons venir avec un pile détail, un pile information pour vous, et m'pap bon venti, un pile nèg qui commence à prendre diarrhée, ni dans le pays d'Haïti, ni dans le pays côté yo caché. Rebrancher. N'a bien avec tout détail, toute information pour vous, à sa comme Pengouignon, dit l'autre, un gars nouvelle là, tout bon, pas bon. Ou sous channel PIA qui c'est la Kay News. Merci en pile avec toutes les minettes qui contribuent dans le travail ça. Merci avec ou même qui toujours partagez ou même qui toujours là ensemble avec nous 24 sur 24, 7 sur 7. Merci avec nous tout le temps. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prend soin chacun de nous. Pas rien mentir dans ça ou même qui a peine découvert channel là. N'a pas bienvenue sous channel PIA qui c'est la Kay News. Pas oublier abonner. N'a pas sou pas regret. Ou même qui pour abonner, ou même qui besoin abonner, ou même qui pas contre comment pour abonner, mais qui j'en pour abonner. Voilà, si vous pouvez vous abonner sur la chaîne Zen la Kayouz là, mais qui j'en abonné, vous pouvez cliquer sur s'abonner et puis vous activer la cloche là, vous mettre l'option tout, ou pas rater aucune vidéo. Bien, l'offre est abonné, et bien, vous franchir sur la page Facebook Zen la Kayouz là, sans tête grattée, vous pouvez like page là, vous tout abonner sur la page Facebook là, vous pouvez toute information nette, ni sur Facebook, ni sur YouTube. Vin connecter 100% 24 sur 24 sous Zen la Kayouz. Pas de menti dans ça, vin connecté 7 sur 7, 24 sur 24 sur channel PIA qui c'est Zen la Kay News. Ok, président Jovenel Moïse, pas yon pitimi, sans gado, madame Sarah, te vin manger, vire do, allez. Eh oui, président Jovenel Moïse, pas yon pitimi, sans gado. Et bien là, nous rebrancher, reconnecter, mais rendez-vous à casser là, côté nous voir fou le béton, on a tout, regardez tout le monde qui vit à Zinet, en profite fou le béton, pour nous demander justice pour le président Jovenel Moïse, et pour Antonio Palacios, continuer, mettre nos dehors, quitter bal l'argent, quitter bal et matériaux, et la caille moun qu'elle te descend dans le pays d'Haïti avec tout assassin yo pour assassiner le président Jovenel Moïse. En allez. Eh bien, proverbe l'a dit, bien compté, mal calculé. Vendredi 7 janvier 2022, sorti 11h dans matin pour arriver 3h dans l'après-midi devant Nations Unies. Nous pralmande justice pour président Jovenel. Justice pour président Jovenel. Même haïtien, nous pas jamblier 7 juillet 2021. Jou mercenaire étranger à complicité resta avec oligarchio. T'es assassiné président Jovenel Moïse. La Kaeli. Eh bien, rendez-vous. Vendredi 7 janvier, qui a fait 6 mois. Sorti 11h dans le matin pour arriver 3h dans l'après-midi devant Nations Unies. Dans Manhattan, qui situé dans la première avenue entre 46e et 47e. Nous tous pour aller mettre voix nous ensemble pour nous demander justice pour président Jovenel. Justice pour président Jovenel Moïse. Et nous avons tout profité de demander administration Biden Harris là. Qui plaît au gagner même pour le pays d'Haïti. Bataille pour jouer justice pour président Jovenel Moïse là. Fait commencer. Nous pas camper et nous pas pressionner mes pièces criminelles. C'est pour toute complicité pays. Pour Zakio. Pour plus d'informations, relève dans 914 233 72 28 et 614 567 1065. Pas de maintenant ça, président Jovenel Moïse, en patron Pitimi Sangado. Asanana comme pingouin, on dit le temps, gagne la tout bon, pas bon, quatre coins le bon entier. Et nous parlons fou le béton devant Nations Unies qui situe dans New York City, dans le pays États-Unis. Quel que soit côté ou à vivre dans le pays États-Unis, en profiter occasion demain là, demain 4, 7 ans et janvier là, pour nous fou le béton, pour nous demander justice pour président Jovenel Moïse et pour Antonio Palacios,
continue mettre non d'ailleurs moun qui est kaille qui est qu'elle te descend et ça me je connais kaille qui est qu'elle te descend et qui est qui te bal matériau qui est qui te bal l'argent qui est qui te fait grand réunion ensemble avec lui et ben nous besoin toute bagage ça honnête non mais Antonio Palacios pour continuer mettre vagabond en bas code président Jovenel Moïse patron pitimi sans garde ah oui pas gain menti dans ça bon. En entraînement, maman Pemba, information, sans mes téléspectateurs, téléspectatrices, sans Zela Kanyuzio. Ah oui, pas, gen menti dans ça. Gen nèg la mbap bon menti, même dormi, va ka manger, bouche pas goût, même malgré fièvre. Vous entendez? Bon fièvre, la kabravage tout bon pas bon là. L'autre jour, la mbap bon menti, fièvre ça après, ça fièvre ça, moi même bal, non krasé, zo, fièvre ça. Il va me faire 4 jours ensemble avec moi et fini avec moi son crasé zo fièvre ça relé fièvre crasé zo ah oui pas gain menti dans ça et bien là et grand pile nèg la fièvre là pour frapper tout gain fièvre ouais depuis au fin arrêté Antonio Palacios là dans pays et Panama grand pile nèg qui peut que gain fièvre crasé zo depuis au fin arrêté jeune garçon ça brap là criminel ça là et m'ba bon menti tout nèg gain fièvre dans pays d'Haïti. Et grand pile nèg nan pays d'Haïti ki fièvre, grand pile nèg ki nan pays Toto Sam nèg ki fè crime nan la, m'pa bon menti nèg sa ou, yo gen fièvre mélan avec yon diarrhée, et bien ki pa jam coupé. Malgré nèg yo pran gros coca, gon remède nèg yo fè, coca digo. M'te di nou sa, président Jovenel Moïse patron piti mi sangado, nou pa ka monter sou li tan pou nou pa ka monter tout son li tan même yon mi kon sa avec gros mato nou vin graser ça. Pa yon baye kon sa, yes, hein? Nèg yo pran coca digo, ça va résoudre. Nèg yo pran et cosmago, on va nèg yo fait la fraîchi on balle pas parti. En tout cas papa monsieur, nous fait carré déjà, nous fait carré coca digo. Digo on connaît les blaver rat bleu yo, yo compte mettre petit digo là-dedans. Mais nèg ça papa digo, ça va passer boire boire avec coca. Voilà là papa, ba yo gâte. Non mais nèg yo madame monsieur côté nèg commence à boire coca digo là pour essayer de capable couper diarrhée. Eh bien là. Voilà. Vous là ça on aller dans information aux amis téléspectateurs, téléspectatrices la Kai News yo. Eh bien là ou sous la Kai News c'est coca digo nèg commence à boire. On aller et oui et Antonio Palacios qui situé en prison à Miami, amis téléspectateurs depuis au fin arrivé Antonio Palacios dans pays Panama et bien là grand pile nèg qui commence à gè problème dans pays d'Haïti et avec nous côté yo. Sak nan pays États-Unis, sak nan pays la France, l'autre qui nan pays Canada, nèg sa yo m pa bon menti. C'est 24 fois par jour nèg sa yo aller nan banyo. Lèm ti nan banyo a ki li di aller côté yo fè numéro 1. Bien c'est là nèg yo même y aller là, c'est pour yo capable bon nan ki niveau yo te capable dégager malgré nèg yo kon aller et nan poupou, rien pas dégager et bien là c'est diarrhée nèg yo gen, yon diarrhée forcé. Et bien là côté Antonio Palacios lui-même ni commencé à parler nan poto là côté li là et de jou cap 31 si m'pas trompé, d'après information qui arrive jeune nous jou cap 31 et bien Antonio Palacios lui-même li parle devant juge pour la raconter qui est la caille qui est et qui est qui te bal matériau et qui est qui te bali qui choye pour te aller lapider et démolir président Jovenel Moïse jour 7 juillet 2021 mi ba la salé nan me nèg yo la et ba la pa ba la salé d'après pression Antonio Palacios adjoint là m'pa bon ansi li pral met causer dehors rebrancher reconnecter nous pral faut attendre nous pral faut attendre Lucas Stanley Lucas qui t'a parlé nan yon média et nan international là qui c'est Nativite international et confrère nous là qui t'a posé et Stanley Lucas en pile question et monsieur lui-même n'y t'a répondre et n'a dire et Nativite international qui font gros travail un gros coup de chapeau pour nous l'autre bois là qui font gros travail extraordinaire en alfort tendé et Antonio et Stanley Lucas. L'État, leader 4 mirailles aux États-Unis. Maintenant, je nous dis la gain ouverture là pour que Mouché Palacios, ta entré encore, autorité américaine, ta extra délit par Boïcide pour venir répondre à question la justice sous assassinat fait président Jovenel Moïse. Mais pour sa fête, il faut gain d'abord la volonté politique aux côtés et autorité haïtienne qui manifestait. Et pour nous parler sous ça, nous gagnons soulignant Stanley Lucas, que nous avons dit bonsoir. Et nous saluons. Nous saluons toute équipe radio.
et nous saluer tout auditeur. Très bien. Et nous comptons ensemble avec vous après-midi à Stanley. Et nous comptons gagner plutôt dans l'émission. Nous connaissons que Stanley Luca, ancien conseiller au rang d'ambassadeur. Et il y a un tout qui, au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse, a commencé à faire des dénonciations. Maintenant, avec l'arrestation par les autorités américaines de Mario Antonio Palacios Palacios, c'est qui possibilité, je dis, pour que Mouché ta vienne répondre à la question de la justice là en Haïti? Et Antonio Palacios, monsieur son soldat colombien. Mm-hmm. Et monsieur fait partie de la crème de la crème de l'armée colombienne. Monsieur passé 20 ans, 8 mois, 4 jours dans l'armée colombienne avant de devenir ancien soldat. Monsieur fait partie de mercenaires que compagnie américaine qui est le CTU qui basé Florida. Il a travaillé avec 4 compagnies colombiennes pour nèg et oligarque pays d'Haïti qui était besoin touyer président, il était besoin recruter 200 anciens soldats colombiens pour venir faire assassinat. Finalement, c'est 26 soldats colombiens, anciens soldats colombiens qui ont recruté. Palacios fait partie de équipe que relé équipe Delta qui c'est 5 monde qui était en mission pour touyer président. C'est Palacios, selon rapport, qui bail président Jovenel Moïse 8 à 12 balles pour tout yel. Et pays d'Haïti te fait on demande d'extradition de Palacios. Alors, m'a rappelé tout le monde que Palacios te sauvé, il était dans pays d'Haïti. C'est pendant premier ministre Ariel Henry a vin premier ministre. Avec complicité gouvernement ça et oligarque Pétionville et moun qui participe dans tout le président, yo fait sauver en passant par Saint-Domingue, là le caché Jamaïque. Yo te arrêté le Jamaïque. Koulia, là ou vin arrêté le Jamaïque là, gouvernement Ariel Henry et particulièrement ministre affaires étrangères Claude Joseph te voyon demande d'extradition l'autre bois. Koulia, lè ou voye demande d'extradition Jamaïque pour soldat colombien ça qui touye président pays d'Haïti qui relé Antonio Palacios Palacios là. Gouvernement Jamaïque là à travers la justice jamaïcaine mandé ministre que Dimitri Vob mette dans la justice là dit les drogue là Beto Dossé. Yo mandé monsieur des informations additionnelles sous Wall Palacios dans touye président. Nèg yo fait esprit, yo pa jamb voye information sa yo ali. Le gouvernement jamaïcain wè que parce que faut pas oublier que vice-président colombien qui c'est tout ministre des Affaires étrangères de la Colombie, li te dit comme ça que Colombie pa t'a pral extrader par la science li t'a quitté Haïti fèl. Mais les autorités la justice jamaïque wè que alors li t'a quitté Jamaïque fèl. Yo pa t'ap extrader li, yo t'ap kite Haïti extrader li pito. Ou ya, les autorités jamaïques yo wè ke, malgré demande d'information que yo voye bay ministre Beto Dossé, msi ap fè manipulation, msi ap fè kase fè kouri sa, le ou wè msi pas sérieux nan dossier mari criminel ki touye président Jovenel Moïse, se lè sa la justice nan pays Jamaïque décide y ap voye msi en Colombie. Koulia, le monsieur Tabral en Colombie lundi et 3 janvier, il était venu pour faire escale Panama. Pendant la faire escale Panama, FBI a arrêté monsieur Panama parce que tribunal district sud de la Floride a un mandat d'arrêt qu'il te mettait pour monsieur. C'est pour ça qu'il a arrêté dans Panama, il a mené monsieur Florida. Monsieur gen pou le paraître après-midi à un tribunal district sud de la Floride pour crime que monsieur fait en Haïti. Koulia, est-ce qu'il y a voye monsieur en Haïti? M'a pas gen réponse à ça parce que coalition d'assassins qui sous pouvoir dans pays d'Haïti, faut pas oublier que rapport commissaire Bedford Claude, rapport de CPJ montré premier ministre Ariel Henry t'a coordonné avec un assassin président Badio Joseph. Et coalition d'assassins qui là depuis à peu près 6 mois que yo là, yo fait 18 obstructions à la justice
pour empêcher que l'enquête là avance. Donc, est-ce que dans le contexte ça, américain a voyé par la sur en Haïti, pas connaît. Mais en même temps tout, il faut pas oublier que c'est pas la première fois que américain yo arrêté un officier soit dans l'armée ou bien la police qui fait crime en Haïti. Ou songe soldat qui était touillé Roger Lafontaine, yo extradé aux États-Unis, mais pas jamais gain suivi qui fait dans dossier ça. Donc c'est observer pour nèg observer, faut pas oublier que FBI, la justice américaine, yo pral appliquer loi américaine yo, mais faut pas oublier tout, c'est des institutions américaines. Première priorité yo, c'est défendre intérêt les États-Unis dans dossier ça. Donc dans explication bon moi là, c'est vrai qu'on pas une réponse exacte avec question que me pose là, mais explication bon moi pour c'est me comprendre que extradition Mario Antonio Palacios toujours paraît non, difficile. Non, faut pas oublier que nèg qui en Haïti, la coalition d'assassins qui sous pouvoir, c'est eux-mêmes qui fait Palacios sauver. Donc les nèg qui a parlé d'extradition nèg pas sérieux. Les la justice jamaïcaine mandé Ariel Henry à Beto Dossé élément additionnel pour yo ka voye Palacios en Haïti, yo pa voye yo. Faut pas oublier que nèg yo impliqué dans touye président selon rapport et Beto Dossé, rapport de CPJ et Latrier. Faut pas oublier Dimitri Vob, yon nan oligak ke non cité dans touye président qui mettait Beto Dossé qui sa avocat Sojene, avocat Ariel Henry comme ministre de la justice, on nèg ki a arrêté qui te fait 6 mois en prison pour drogue. Donc jounen jodi a question qui clair pour nous hein. Dans l'État haïtien, particulièrement le pouvoir exécutif, dans la coalition d'assassins qui sous pouvoir, ils n'ont pas voulu enquête là avancer. C'est pour ça, depuis à peu près 6 mois, malgré 18 obstructions à la justice qui ont fait, où les bagailles ont avancé, ils n'ont pas qu'à enterrer le dossier. En tout cas, j'en dis là, un dossier que nous avons suivi de près. Merci un pile, Stanley Lucas. On va aller parce que date importante a fini. Deuxième lundi, mois janvier. Donc, pour forme du monde très clair, parce que moi-même, il ne faut pas oublier que m'écrit 28 rapports post- et pré-électoral dans le pays d'Haïti. C'est moi qui l'ai aidé à organiser l'élection et référendum 87 là, élection 90, élection à 3 tout 95, élection 96, 86 avril 97, 21 mai 2000 et la trier. Elle dit que pour observer l'élection, pour aider dans l'élection dans le pays d'Haïti, il faut qu'on constitution avec décret électoral pays à bien, ensemble à sous parti politique. En fonction d'article 288 Constitution et en fonction d'article 50.3 et 239 décret électoral là, mandat 10 sénateurs qui étaient là yo a fini lundi prochain. Parce que pour garder un mandat un sénateur qui vient compléter un mandat ou bien qui gon mandat complet, c'est 3 articles ça pour le garder, 2 dans décret électoral là qui c'est 50.3 et 239 et dans constitution qui c'est 288. Faut garder tout ça relais le temps constitutionnel pour les sénateurs qui est différent du temps constitutionnel pour la présidence. Pour la présidence, c'est le quinquennat. Pour les sénateurs, c'est l'année zéro. Depuis nous commençons à faire élection à partir de Constitution 87, là, nous passons à année zéro à 3 fois. Dernière fois, nous passons à année zéro à 2006. Qui ça année zéro à? C'est dernière fois nous avons fait élection générale. Et dernière élection générale que nous avons fait dans le pays en 2006. Pour qu'il ait mandat, un sénateur qui vient compléter mandat, ou bien qui a un mandat complet à finir, ou juste ajouter 2 ans. 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 22, 24, 26, 28, 36 constitutions n'ont pas changé. Donc, ne cap dou que mandat sénateur a fini en 2023, c'est sous prolongation mandat qui a eu un bagage que la constitution n'a pas reconnaître. Il ne faut pas oublier que depuis 2008-2012, il y a à peu près 3 groupes de sénateurs qui ont laissé prolonger le mandat illégalement et ont échoué dans le GFO prolongation de mandat, son bail qui représentait une menace pour la démocratie. Et c'est pour ça que moi-même, je suis révolté en pile par rapport à une série de racketeurs politiques, tant que j'ai des gens qui ont essayé d'où que c'est en 2023 le mandat n'est pas fini. Et lundi, le mandat est fini. Conformément à la Constitution et conformément à décret électoral là. Son bail que n'a expérimenté à peu près depuis 10 ans côté mandat en série de sénateurs fini et puis a essayé prolonger mandat malgré que yo pas réglé moi même bagaille ça représente un gros menace si nous tolérer que sénateur prolonger mandat on jour n'a gain président tout capable prolonger mandat bagaille ça pas bon pour démocratie que n'a bâti. Merci Stanley.
Bon Dieu bénou, kembe la. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de Stanley Luca qui t'a parlé. Eh bien, quittez commentaire et partagez, like, merci en pile avec toutes les amis qui t'attendent au commencement jusqu'à la fin. Et voulez pas voulez, fuck président Jovenel Moïse, jeune justice, li. Eh bien, là, pas gagné route pas bois. Eh bien, écoutez, et il y a Mario Antonio Palacios. Bien nous connecter et autorité dans pays de la barre les autorité nèg Ariel Henry pas accepté pour ouvrir document bail Jamaïque pour être capable transférer en Mario Antonio Palacios dans pays d'Haïti, mais il était arrêté, il était largué li pour dans le pays là. Et bien il arrêté dans pays Panama. C'est bon Dieu qui a fait travail, et bon Dieu qui a fait travail. Ariel Henry voulait pas voulait ou pas en bacon. Ariel Henry voulait pas parce que Daniel Foutin, représentant spécial, yo te voye nan pays d'Haïti, li pesé sou Ariel Henry nan la mort président Jovenel Moïse. L'autre de la pesé comme ça, parce qu'elle compte pour qui la pesé. Ariel Henry vle pa vle wap nan li nan pénitentiaire national sou la mort président Jovenel Moïse. Malé, c'est de tout kwen gwefwe. Nous tchèkou peuple an ap kontri pour l'autre prochaine vidéo. Pas gen problème même. Rete branché sou channel pays pour capable tout rete informé. Bye bye.